Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est le 13e jour du calendrier de l'Avent et ça y est, nous sommes à la seconde moitié du calendrier et je le rappelle, hier nous avons eu nos deux petits paquets cadeaux, donc quelque chose d'assez basique au final hein, qu'on a chaque année, mais bon, moi les couleurs fonctionnaient bien pour le coup, donc c'est pas plus mal. Hop, vu que c'est, de toute manière c'est un cadeau qu'on aura dans tous les cas chaque année pratiquement, donc autant l'avoir dans une... d'une manière plutôt sympathique, c'est-à-dire avec de belles couleurs. Et on va commencer tout de suite avec le 13e jour qui est... hop là, juste là. Donc au niveau du nez de l'avion, un avion assez dégueulasse qui était sorti en 7 cette année, il me semble, qui est dans un transport, un camion de transport en fait, et les ailes peuvent se replier, mais le problème c'est que, je sais pas, ils arrivent pas, je sais pas s'ils arrivent pas à faire les avions ou quoi, mais je viens de dégommer le truc, bref. Et aujourd'hui, on va passer sur un nouveau thème, je pense, qui est le policier et le voleur, je pense. Je pense. Voilà. Donc, c'est pas dur à fabriquer. Hein. C'est une figurine. Je m'attendais à ce qu'on ait quand même une fille avant de passer à ce thème-là, mais ok. Je pense qu'on l'aura peut-être plus tard, ou peut-être pas du tout. Dans mon avis, on l'aura quand même. Hop, alors pour ce qui est du torse et des jambes, bon les jambes ne sont pas imprimées, par contre le torse est plutôt sympathique, ça change de d'habitude. Et à l'arrière, comme ceci, donc c'est une sorte de, ouais, de pantalon de toile tenu par, par une corde en tant que ceinture, c'est assez original. Par contre il a une bonne grosse tête de rageux quoi. Et j'ai oublié de mettre son sac à dos, ou son espèce de... Ouais. Je vais peut-être pas appeler ça un sac parce que c'est pas exactement ça, mais... Voilà, avec deux billets de sang absolument gigantesques dans son dos, bien sûr, forcément. Et ensuite, on aura le bonnet, hein, comme ceci. Et derrière, vous allez pouvoir placer sa baramine. Voilà. Bah écoutez, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Après, je vous avouerai que le thème policier et voleur, tout comme le thème pompier, je trouve ça un peu déplacé au final sur le calendrier de l'Avent. Je préférerais avoir un truc entièrement fait sur le thème du marché de Noël, par exemple. Vu que là, pour le coup, c'est ce qui était plus ou moins mis en place l'an dernier et qu'on a avec ça, même si je pense que c'est plus une sorte de... On va dire, de petit muret qui est censé peut-être faire le contour de cette partie de l'eau, je sais pas trop. Je vous avouerai que... Enfin, en tous les cas, ça avait l'air plus festif que genre un énième policier qui veut aller combattre le crime avec son non-pistolet et tout. Enfin, voilà, bref. C'est pas ultra intéressant, je trouve. Par contre, faut dire aussi que la figurine est quand même plutôt cool et des baramines en plus, c'est toujours sympathique d'en avoir. Voilà, bah écoutez, je vais pas perdre plus de temps que ça. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.